On est mercredi 21 décembre, c'est le premier jour de l'hiver. Voilà, il pleut pour changer. J'ai l'impression qu'on a déménagé en Bretagne. Je suis désolée les Bretons, mais j'ai l'impression d'être chez vous en ce moment. Je crois qu'on a vu une fois le soleil en une semaine. Et encore, c'est horrible. J'aime ce temps, mais du coup, il me donne encore plus la flemme que ce que j'ai. Donc, du coup, aujourd'hui, on va avoir un moment assez chargé. Donc, bien sûr, le travail, hein. Et d'ailleurs, j'ai du mal à avancer. Je suis épuisée. Pourtant, je ne me suis pas couchée tard et je me suis levée à 7h30 pratiquement. Mais bon, toujours autant fatiguée. Je pense qu'il va falloir du temps pour s'en remettre. Voilà. Du coup, programme de la journée, emballer les cadeaux. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, sachant qu'il faut que je sache si j'ai tous mes cadeaux ici. Parce que comme ils étaient cachés dans les chambres, maintenant il faut que je les enlève pour ce week-end, parce qu'elles vont dormir quand on va les mettre en place. Donc, il faut que je mette tout dans le garage, si possible. Donc, là, la mission, ça va être d'emballer tout ce qu'il y a ici, les mettre dans des sacs et mettre dans le garage. Comme ça, on n'aura plus que les sacs à prendre et tout, sauf que dans le garage, j'ai aussi des cadeaux. Des gros cadeaux à emballer. Et ouais, il y en a qui sont plus petits que d'autres. Il faut juste que je vois où Romain les a cachés. Pour que je puisse les prendre, les emballer aussi. Parce que là, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans nos chambres. Donc dans ma chambre, chambre de Jou et chambre de Serena. Je revérifierai quand même un bon coup qu'on n'a rien oublié. Parce que je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai acheté. Là, ça va être une découverte en fait. Parce que comme ça fait tellement longtemps, je ne sais plus ce qu'on a pris. Donc on va regarder ensemble l'étendue des dégâts. Comme ça, je vous montre les cadeaux et après, à la pause de midi, on emballera tout ça. Bon, j'ai tout enlevé des boîtes que j'avais stockées. Donc bien sûr, il y en a une partie là, il y en a une partie dans le garage. Je vais vous montrer déjà ce qu'il y a là. Donc, pour Juliana et Serena, je leur ai pris chacune une bombe de bain. Version donut, voilà. Donc il y en aura une chacune parce que j'avais trouvé ça super sympa sur Beauté Privée. Sur ces discounts pour Serena, j'ai pris une montre mini. Voilà, elle parle, elle chante, voilà. Je l'ai trouvée trop trop mignonne. Donc ça vient de Cdiscount que je vous ai présenté récemment pour Juana des baskets. Voilà, bon, ça, on va pas s'attarder. Un peignoir Edwige qui vient de chez Kiabi. Pour la Switch, je lui ai pris Just Dance 2022 et 2023 pour Juliana. Donc il y en a un qui vient de Boulanger et un qui vient de Cdiscount, il me semble. Pour Serena, je lui ai pris les seins dalmatiens Fête Halloween. Il est vraiment trop trop beau. Je l'ai pris sur Cdiscount. Il me semble. Ou Cultura. Cultura peut-être. Ils sont trop beaux, j'adore. Ça faisait un moment que j'avais flashé dessus, que je cherchais. Ah, mais on passe à ma mère. Mais écoutez, on passe à ma mère. Hein, écoutez. Donc, je lui ai pris un coffret comme ceci. Donc, il y a une crème et un sérum, je crois. Et je lui ai pris en plus deux sérums. Voilà, de cette marque-là. Je ne sais pas ce que ça vaut. Écoutez, elle me dira. Voilà. Chez Cultura, j'ai pris ça pour Serena. Je trouvais ça trop stylé. En fait, au fur et à mesure des jours, elle va mettre les jours qu'on est, son humeur, le temps, tout ça, ce qu'elle a prévu de faire. Plus qu'un dodo avant, on ne sait pas. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Elle pourra le faire avec Juliana le matin. Pour Juliana, je lui ai pris la Kidi Zoom sur ses discounts. Voilà, une montre. Elle voulait une montre. Eh bien, écoutez, on y a pris une montre connectée pour enfants. Voilà, je voulais pas y prendre une montre à aiguille, vu qu'elle apprend à lire l'heure. Il faut quand même prendre des trucs qu'elle sache s'en servir. Pour Serena, j'ai pris. Alors là, il y a le prix. Voilà, 21,99. Je l'ai pris chez. Putain, comment il s'appelle ce truc? Truc de jouet là. Je me rappelle plus, c'est à Carpentras. Voilà, j'y ai pris un mon kiki. J'en avais un quand j'étais petite. Beaucoup moins mignon, bien sûr. Et ouais, je suis trop trop fan. Pour Serena, je lui ai pris Berlioz joue de la musique. Vous connaissez notre amour pour les Aristochats. Voilà, donc du coup, voilà. Encore un petit livre Disney.
qu'elle fera passer le temps avec sa sœur. Voilà, c'est plutôt sympa. Celui-là, je l'ai pris sur Cdiscount. À Duana, je lui ai pris le Qui est-ce chez le même que mon Kiki, mais je ne me rappelle plus le nom. Il coûtait 21,99€, mais je ne l'ai pas payé ce prix-là. Il y avait un prix dessus. Pour Serena, je lui ai pris des puzzles princesses. Voilà, chez pareil, je ne sais plus le nom. C'est pas possible, il n'y a pas 50 magasins de jouets, mais je ne me rappelle pas. Pour Serena, je lui ai pris Madame Patate, parce qu'elle adore jouer à Monsieur Patate. Mais là, il y avait la version femme sur ses discounts, alors j'ai pris ça. Chez Boulanger, pour Jou, on lui a pris un réveil lapin bleu, avec un casque pour la Switch et une enceinte JBL rouge. Tout ça, ça vient de Boulanger. Ça vient de chez Pickwick Toy. Voilà, Edwige en décoration. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Et je lui ai pris chez Auchan la tirelire. Voilà. Elle est vraiment trop kiki. Et chez Pickwick Toy, j'ai pris une Dresiana Serena Vintage avec panier. Voilà, trop chou. Alors écoutez, je ne sais pas si j'ai tout. Franchement, je crois qu'il y a des trucs qui doivent être encore planqués. Il faut que j'aille voir. J'attendrai ma pause de midi pour emballer. Voilà. Et dans le garage, on a du coup la cuisine de chez Lidl. Et un verso de chez Lidl. Et 2-3 jeux en bois de chez Lidl aussi. Donc, il faudra que j'aille les chercher tout à l'heure pour pouvoir les emballer. Et je pense qu'on sera bon. J'ai pas compté combien il y avait de jouets chacune. Réellement, là, je vais compter. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Parce qu'on n'est pas du tout dans le truc qui aura le plus. On s'en moque. Elles, ce qu'elles vont voir, c'est qu'elles vont offrir des cadeaux et qu'elles vont être contentes. Donc, voilà. Ma belle-mère, nous a donné 2 cadeaux qu'elles ouvriront ici, qu'elles garderont. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois qu'il y a une ardoise magique pour Serena et Duana, je ne sais pas. Donc à voir. Et voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai commandé un plaid sur Vinted de Edwige. Est-ce que je le recevrai avant Noël? Je l'espère. Sinon, tant pis, elle l'aura après. Ce n'est pas bien grave. Et après, bien sûr, elle va avoir un cadeau de la part d'une amie à nous. Ma mère, je crois qu'elle leur fait une enveloppe. Et voilà. Mais écoutez, ça sera bien bon. Je pense qu'elles ont été plus que gâtées. Voilà, on a préféré cette année les gâter elles que gâter la famille. Voilà, donc voilà, on préfère gâter nos filles qui vont être beaucoup plus reconnaissantes de ça, qui vont être beaucoup plus heureuses que certaines personnes qu'on va leur offrir des cadeaux et qui vont nous dire « Pourquoi vous nous avez acheté ça ?» Voilà, donc cette année, c'est ça. Il y a juste son père, sa mère et sa grand-mère qui ont pris un truc parce que, voilà, parce qu'ils gardent les filles et qu'ils sont là quand même quand on a besoin. Voilà, juste pour les remercier de tout ça, et ben, ils auront une personnalisation avec une photo. Voilà, que je ne vous montrerai pas, mais voilà, une a une toile photo, l'autre un carré en bois. Et son père aura un boîtier où on peut mettre des applications pour regarder certains sites, tout ça. Voilà, chacune, voilà. Romain, mais il les a déjà eu et moi j'ai déjà eu les miens. J'aurai juste mon parfum interdit qui sera sous le sapin pour faire croire que le Père Noël ne m'a pas oublié. Et voilà. Donc à midi, on se retrouvera pour emballer tout ça. J'espère que je vais avoir le temps de tout emballer pendant ma pause. Parce que franchement, il y a quand même beaucoup de choses à emballer. Et moi, niveau emballage, je ne suis pas très douée. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Et j'ai tout ce qui reste dans le garage. Donc si j'ai pas le temps, comme c'est dans le garage, au pire, je m'absenterai. Même quand elles sont là, j'irai vite fait dans le garage emballer. Au pire, je mettrai tout ce qu'il faut déjà dans le garage. Au moins, elles ne me verront pas partir avec du papier cadeau ou autre. En même temps, j'aurais voulu le faire déjà la semaine dernière, mais je n'étais pas en état. Et là, réellement, c'est pas que je suis en état de ouf, hein. Je suis en meilleure forme et je devais aller faire 2 courses à Leclerc, mais je sais pas si j'irai ce soir parce que franchement, j'ai trop la flemme, je suis trop fatiguée. Donc, je verrai si j'y vais ce soir ou si j'y vais vendredi parce que demain, je pourrais pas. À voir, mais bon, là, il va y avoir un monde, c'est ce que je me dis. Pas envie, mais vraiment pas. Supporter tout ce monde-là, ça m'énerve déjà. Voilà où nous en sommes. J'emballe sans vous pour aller beaucoup plus vite. Ça, je vais pas l'emballer.
Il est trop gros en fait et ça va user trop de papier cadeau pour rien. Et en fait, déjà, je trouve qu'on en utilise beaucoup pour pas grand-chose. Du coup, j'ai juste marqué son prénom comme ça et j'ai mis un ruban. Mais c'est pas bien grave. Et je ferai pareil pour la cuisine. Donc, ça, c'est le sac à Johanna. Donc, ça, c'est que Johanna. Là, il y a un cadeau à Jo et à Serena. Là, c'est que Serena. Et là, c'est ma mère, moi. Et voilà. Ça sera tout. Là, je vais aller dans le garage, aller chercher le reste à emballer. J'espère que j'aurai le temps. Et je vais aller planquer ça. Donc voilà. On va continuer les paquets cadeaux. Et après, on ouvrira le calendrier et tutti quanti quand j'aurai terminé. Et voilà la suite. Donc, un berceau pour les poupées pour Serena. Un service à thé en bois. Une balance. Un gâteau d'anniversaire et bien entendu la cuisine de chez Lidl aussi. Donc voilà, ça c'est les derniers que je vais emballer et on aura terminé. Alléluia! Il restera juste les cadeaux, c'est sa grand-mère et sa mère, mais ça je pourrais le faire demain ou après-demain, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis bien contente, je vais vite finir ça et comme ça après je vous montre calendrier. J'ai tout recaché dans le garage, j'ai tout mis dans des grands sacs de course et il restera que les cadeaux de sa mère et sa grand-mère emballés. Tout est bon, tout est dans le garage, donc niveau cadeaux elles sont similaires au niveau quantité, donc c'est bien. Je vais recevoir le plaid avant Noël, sinon tant pis. Et si j'irai faire deux courses à Leclerc, je regarderai s'il n'y a pas une dernière connerie que je peux leur acheter, voilà. Même si déjà c'est très bien ce qu'elles vont avoir, mais vous savez qu'avec les enfants on aime toujours leur acheter trop et leur faire trop plaisir au passage. Dans la case 21, il y a ça. Donc c'est Carmex. Je connais que deux noms. C'est un baume à lèvres. Du coup c'est le classique. Il est bien scellé. Donc ça c'est. Ah, c'est belge apparemment. D'accord. Fabriqué. Ah non, fabriqué aux USA. Mais l'entreprise, elle est en Belgique. D'accord. Écoutez, j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai jamais trop essayé. Donc, ce sera à essayer. Sinon, hier, on m'a demandé pour mon jour de l'an. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Alors, mon jour de l'an, je le fête avec mes copines de mon ancien travail. Donc, Valentine et Jeanne. On le fait chez Valentine avec ses parents parce qu'ils sont tout seuls. Donc, il y aura du coup ses parents, Valentine, Jeanne. Et moi et ma famille quoi, ma petite famille.
Voilà, un truc assez simple. Je pense pas qu'on va se coucher trop tard. Normalement, on mange raclette. On va faire simple, vous voyez. De toute façon, moi, les jours de l'an, ça fait des années qu'on le fait plus comme avant, quand on n'avait pas d'enfants, à vrai dire. Sinon, plus jeune, je le faisais avec mes copines, on faisait des soirées, c'était trop bien. On dansait et tout, avec la musique à fond, jusqu'au matin. Franchement, c'était trop trop bien. Ça me manque vraiment, ce genre de soirée, je peux vous le dire. Avec Gianne, on s'est dit qu'en janvier, on irait se faire un resto et avec où on peut danser après. Parce qu'on a trop envie de bouger nos boules et ça fait trop longtemps. Ça nous rappellera notre jeunesse, écoutez. Donc voilà, je le fais avec ces personnes-là, manger raclette. Et je pense que je prendrai des jeux de société. Parce que vu qu'il y aura mes filles aussi, donc pour que ça passe aussi pour elles, parce que plus sûr, il n'y aura que elles en niveau enfant. Bien sûr, si on se porte bien niveau santé d'ici là, normalement ça devrait le faire. Et voilà, donc c'est juste pour passer une petite soirée bien sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire pour le jour de l'an, si vous avez prévu un bon repas aussi ou non. Et nous, même le 1er janvier, on fait rien, on se repose. Comme le lendemain, souvent, on reprend le boulot, on se repose, on fait pas grand-chose. On va juste souhaiter la bonne année à sa famille, à côté, comme chaque année. Donc voilà, écoutez. Pas super passionnant de fou, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, ce matin, j'ai pris rendez-vous à la gynéco, comme ça fait 1 an et demi que je ne suis pas allée à peu près. J'ai rendez-vous le vendredi que je suis en vacances, parce que je ne vous ai pas dit, mais mes vacances ont été accordées, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, début janvier. Donc, du coup, j'ai rendez-vous le vendredi que je suis en vacances à 8h. Elle est à 40 minutes de chez moi. On va devoir partir hyper tôt avec Serena, parce que Serena, elle n'aura pas la main. Donc, du coup, il faudrait que je la pose à ma mère et que j'aille mon rendez-vous. Et du coup, on passera la matinée avec ma mère, je pense. Et à 14h20, j'ai rendez-vous à l'ostéopathe. Ça va faire du bien. Donc, ça, tout ça, ce sera début janvier. Je m'enguis de trop d'aller à l'ostéo. Je pense que ça peut faire que du bien. Hier, j'ai pas fait mon massage au niveau du regard. J'étais tellement capoute, j'avais la flemme de tout. Déjà, on a regardé la télé pour dire qu'on regardait la télé parce qu'il n'y avait rien du tout. Voilà le programme, hein, pendant les fêtes. Franchement, il n'y a rien. Donc du coup ce soir, tranquille aussi à la maison. Je sais toujours pas si je vais faire les courses. Romain m'a rien dit vu qu'il a une grosse journée. Je pense que si j'y vais, ça sera sans lui. Et franchement, je me sens pas de faire les courses toute seule. Tout porter et tout. Donc je vais voir avec lui dans l'après-midi. Et là, ça va être l'heure que je reprenne déjà dans 5 minutes. Donc voilà. Pas grand chose. Ah, je vous ai pas montré Serena ce qu'elle a fait à la maman. Elle a fait pousser du blé. Donc voilà, trop mignon. C'est vraiment trop kiki, j'adore. Elle a fait un bougeoir. Alors voilà, tac. Donc elle a mis des étoiles, elle a mis des paillettes et du rouge. Elle a fait une suspension en rondelle de bois. Voilà. Donc c'est trop mignon. On va le mettre. Je le mettrai en déco pour la table de Noël. Du coup, on le mettra au milieu de la table. Là, je le laisse dans le truc parce que ça fait pas mal. Et elle a fait un petit papa Noël. Avec là. Et là, il y avait du nougat, du chocolat, tout ça. Et en plus, hier, on a eu un petit cadeau d'une collègue de boulot de Romain. Ah, il y a des trucs qui se décollent, merde. Ça se décolle un peu. On a eu des chocolats, des papillotes réveillons d'une collègue de boulot de Romain. Comme Romain, il avait fait 4 bricoles chez elle et tout, elle a voulu nous offrir un petit paquet de chocolat. Voilà. Donc c'était trop trop sympa. En plus, les réveillons, elles sont très très bonnes. Donc on sait qu'on va se régaler. Donc c'est trop trop gentil. Il reste encore des personnes sympathiques. Écoutez, Romain, il a fait ça pour lui dépanner et voilà, du coup, elle nous offre un petit peu des trucs. Point météo, si vous voulez. Le vent tout est caché, comme chaque fois. Et voilà, il fait pas beau. Bon, il a arrêté de pleuvoir, c'est déjà ça. Du coup, j'en profite qu'il fait pas froid pour tout aérer, pour faire circuler l'air et les microbes.